l'histoire d'un tout petit écureuil qui avait été abandonné par son papa, sa maman, sa tante, son cousin, et aussi un ami d'enfance. Ce petit écureuil était très triste. Et il ne savait pas quoi faire de sa vie. Alors, il décida de sculpter des noisettes. Et de leur donner des formes étonnantes. La forme. D'un synthétiseur, par exemple. Et dans son cœur, il rêvait de participer à l'Eurovision. Et du coup, il était devant sa noisette synthétiseur. Et il imaginait les sons. Ah, comme c'était beau. Incroyable. J'enregistre donc ça juste avant la captation vidéo. Bon, bah, je suis plutôt inquiète, hein, parce que c'est quand même flippant. J'espère que ça va bien se passer et puis que vous allez regarder la vidéo et que vous aimerez bien. Ça me ferait plaisir. Et
Je sais pas si j'arriverai à faire les deux morceaux si j'aurai assez le temps. Si j'ai assez le temps, ce serait chouette parce que j'ai réfléchi à. Oh là là, je sais pas quoi raconter. C'est le problème quand je suis trop stressée, j'ai l'impression d'avoir mon cerveau qui se transforme en aquarium et il y a comme juste un poisson, mais un poisson vraiment perdu et pas trop en forme. Et ce serait comme mon cerveau, quoi. Ouais. Thank you.
façon, je vais juste pleurer, ça va être nul. Je vais faire semblant, tu vois, ça va me demander plein d'énergie d'essayer de faire des blagues et tout.